stade. Un stade entièrement fermé où vous vous êtes aperçu qu'il n'y a pas de publicité, ce qui est rare actuellement et qu'il faut souligner. Alors que l'arbitre, M. Renéa, un Roumain, a demandé au photographe de quitter l'aire de jeu. Le voici, M. Renéa. Et dans quelques secondes, le coup d'envoi donc entre Bastia, qui dans cette première mi-temps va jouer à droite en maillot bleu ou sombre si vous avez le noir et blanc, contre Endoven, tout de blanc vêtu. À la minute est palpitante, ou plutôt la seconde même, nous allons déclencher notre chronomètre. Voilà, 90 minutes pour savoir si Bastia va gagner le Coupe européenne ou pas. Johnny Rep en retrait pour Guédon. La Cuesta. La Cuesta a trouvé Casse. Mario. Mario qui avait fait voir de toutes les couleurs à Krieg lors du match aller. Et Mario arrêté par Lutze. Primo, sur lequel on compte beaucoup aujourd'hui, qui obtient un coup franc. Que va jouer sans doute Mario, qui avait été concédé par Brandt, numéro 4, le stopper du PSV Eindhoven. Premier coup franc donc pour Bastia. Balle renvoyée par Stevens. Et touche favorable jouée par Kaz pour Mario, qui va tenter sûrement de déborder. A du mal avec Stevens. Concède un coup franc. Très bonne ambiance ici à Eindhoven, où le public est relativement calme. Il s'exprime uniquement par des chants syncopés qui ne pèsent pas beaucoup dans le fond sur l'équipe adverse. Fonte Vliet, loin devant, René Van de Kerkhoff. Elle est jeune dangereuse cette formation avec son frère Willy. Les balles récupérées par les Bastiais qui concède un coup franc, situé par M. Renéa. Oui, René Van de Kerkhoff. Obstruction de case. Hein. Van der Kulen, un des maîtres à jouer. Attention au tir du gauche de Van der Kulen. Et hors-jeu de Dekkers. Oui, je crois, Pierre, qu'il faut souligner que les téléspectateurs ne se fient pas au numéro des joueurs de néerlandais. C'est ainsi que Dekkers, qui a le numéro 2, est avant-centre. Krieg, l'arrière-droit, a le numéro 10. Vancré, le libéro, a le numéro 9. C'est une numérotation un peu fantaisiste qui peut troubler un peu les spectateurs, car Dekkers, qui avant jouait arrière, ensuite milieu de terrain, maintenant joue en position d'avant-centre. C'est dire que ce joueur est vraiment complet. Pierre Ikiar pour la tête de Mario. Balle récupérée par Stevens. Puis Brands, le stopper de cette équipe, l'immense Brands. On repart là-bas par Lutze. Sort de lenteur dans les premières minutes, c'est cette équipe d'Eindhoven qui subitement va sûrement accélérer. Centre de destinée à Van der Kulen, attention à la reprise de Fourviet qui était bien placé, qui n'a pas pu contrôler bien ce ballon, mais ceci était dangereux à la limite de la surface. Bien entendu, les premières minutes sont toujours très importantes. Ce sont des minutes d'observation, 3 minutes de jeu pour l'instant. 0-0 bien entendu, alors que Lutze là-bas a pu donner à Brandt qui relance. Loin devant, attention pour Van der Kulen, sortie de Yard, attention. Ah, la magnifique de Yard qui était sortie, Dekkers qui était précipité. Ça a failli être dangereux, très bonne action à la clip d'Eindhoven qui est allée très très vite. On a laissé Dekkers tout seul. Vous avez la sortie d'Yard et qui a eu la chance de ne pas être lobé au prix d'une belle détente. Eh bien, hier, a failli être lobé là, mais en tout cas, il est bien sorti. Il s'est arrêté un petit peu et je crois que c'est cela qui l'a sauvé, car ainsi, le lob était trop court. S'il était vraiment sorti, il aurait sans doute été lobé par Dekkers, qui, je vous l'ai dit, est un phénomène. Il jouait arrière-gauche et ensuite, il a été milieu de terrain. Maintenant, il est en position d'ailier ou d'avant-centre. Mais ce sont toujours les Néerlandais qui attaquent. Et je crois que tous les observateurs l'ont souligné, tous les spécialistes. C'est le premier quart d'heure qui sera très dur pour les Corses. Alors qu'à nouveau là, Kaz a poussé dans le dos son vis-à-vis. C'est-à-dire René Van de Kerkhoff, et c'est un nouveau coup franc. Et oui, le premier quart d'heure sera très dur pour les Corses, pour les Bastiais. S'ils tiennent, ils peuvent espérer remporter cette Coupe d'Europe. Et ce serait la première fois dans l'histoire du football qu'une équipe française remporterait une Coupe d'Europe. Qui est tirée par Van der Kulen. Attention, il y a beaucoup de joueurs néerlandais dans la surface qui font le forcing.
Là, c'était Crimo qui était aux prises avec Vancré, le libéro. C'est la contre-attaque pour les Bastiais par Larios qui a donné à Mario. Ah, mais... Eh oui, il est revenu in extremis. Heureusement, Stevens. C'est l'arrière-gauche qui est en position d'arrière-droit. Un peu l'impression que Stevens charge Marc Mario. Alors que, vous le savez, à Bastia, c'était Crick qui avait essayé de l'arrêter, mais qui n'était jamais arrivé. Attaque de La Cuesta maintenant, qui a un très bon tir de 20 mètres. Ah, mais là, il a... Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Peut-être une passe à Rep. Alors, j'ai l'impression qu'il a essayé de trouver Rep. Hein, il a essayé de trouver Rep. Il a voulu ce ballon, il a voulu lober la défense adverse. Et malheureusement, ça s'est transformé presque en tir, en définitive. Oui, c'est ce qu'on appelle quelquefois un centre-tir. C'est une formule facile. Et ça repart du côté néerlandais. Toujours à gauche, bien sûr, un maillot blanc. Après presque 5 minutes de jeu maintenant, alors que le public ici dans Eindhoven, du PSV dans Eindhoven, car il y a deux clubs à Eindhoven, l'autre joue en deuxième division, le grand club c'est bien sûr PSV, les champions des Pays-Bas, je vous l'ai dit. Chante et écrit, mais tout de même il est moins bruyant que celui de Bastia. Il fait très beau et c'est curieux de constater qu'il fait toujours jour, qu'il y a toujours du soleil. Le soleil se couche plus tard ici. Dans le Brabant septentrional, car nous ne sommes pas en Hollande, mais dans le Brabant septentrional. Voilà Iar maintenant qui dégage sur une passe de ses arrières, ce qui n'est pas du goût du public. On a l'habitude d'une tête de Crimo, chargée dans le dos par Brands. L'arbitre préfère laisser courir car la balle n'était pas perdue pour les Bastiais, avec notamment Mario qui était en position d'avant-centre, et Crimo, mais eux aussi, les Néerlandais donnent des balles en retrait. Vancré à la balle en ce moment, à l'arrière droit. Il cherche un partenaire démarqué, personne ne vient au devant de lui. Voilà qui est fait par La Cuesta, heureusement, car il pouvait s'avancer. Guédon maintenant. Guédon, La Cuesta. Ah, il faut tenir le premier quart d'heure, c'est celui-là qui est le plus dur sur le terrain adverse. Mario, qui est effectivement marqué par Stevens. Attention à ce numéro de Decker, je vous l'ai dit, il est dangereux, il a failli marquer dès la troisième minute, mais là c'était aussi une longue balle adressée à René Van Kerkhove et Iar est intervenu. À signaler que pendant ces premières minutes de jeu, et sans doute pas pour longtemps, Iar a le soleil dans les yeux, ce qui peut avoir une importance ô combien déterminante. Vous l'avez vu, il s'est coiffé d'une casquette, alors que Crimo ici a laissé pour Rep. Rep qui trouve Crimo d'ailleurs, les deux hommes tentent une deux, attention Rep, la ligne de surface. Et tire un peu trop rapide de Rep, peut-être plus poursuivre. Il a tiré juste à la limite de la surface. Il pouvait à la limite rentrer dans cette surface. Johnny Rep, un peu de précipitation. C'était une des attaques glaciaires de ses premières minutes. Attention, je l'ai dans le petit filet. C'est qui avait repris ce centre de volée là. Avec la position qu'il avait. Et il a gêné par le soleil. Vous voyez qu'il malgré la casquette, mais souvent sa main en visière sera peut-être très 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 dangereux. Ah, il lui tarde que le soleil se couche. Hein. Et il semble d'ailleurs que Bastia en défense se relâche quelque peu. On laisse facilement les joueurs d'Eindhoven démarquer. Il y a une sorte de faux rythme dans cette partie. Tout d'un coup, les joueurs d'Eindhoven surgissent. Et dès que Bastia puisse imprimer le même rythme qu'il avait imposé lors du match aller pendant les 20 premières minutes, malgré les conditions défavorables. La Cuesta qui avait cherché Papi ou Mario. Non, Mario ne parvient pas à sauver ce ballon. Qui va être joué par Willy Van de Kerkhove ou Stevens. C'est Willy Van de Kerkhove. Et puis Stevens, puisque l'arbitre avait demandé de reculer. Brands donne la balle pour Van Kraai. Attention à la balle en profondeur, non, on préfère passer par Dekkers. Arrière, très offensif ici d'un mai. Attention à Van der Kielen qui arrive de pied gauche. Et voilà, il a fallu que Larios vienne prêter main forte alors que Rep est à la part de Van Kraai. Cela mériterait un avertissement. Monsieur Volta. Oui, il le sort d'ailleurs. Pour Van Kraai. Normal. Pour geste antisportif, il a retenu Rep qui partait par le maillot. Monsieur Renéa n'a pas hésité. Crimo, La Cuesta qui peut récupérer. L'arbitre ne siffle pas. On repart par Dekkers. Qui laisse pour Willy Van de Kerkhove. Larios était là. On va laisser pour Johnny Rep. Rep, La Cuesta. Ah non, tentative de déviation de La Cuesta qui voulait retrouver Rep. Case.
a réussi son contre, mais la balle est allée en touche. 9 minutes de jeu entre Bastia et Eindhoven. Score 0-0 si vous prenez ce match en cours. Willy van de Kerkhoff qui a laissé pour Dekker, parti là-bas très rapidement. Attention au centre, au-dessus, nettement au-dessus. Et les Hollandais ont raison pendant les quelques minutes qui restent, puisque vous voyez que progressivement l'ombre envahit maintenant le but de Yard latéralement. Mais pour l'instant, le gardien corse joue contre le soleil. Et les Hollandais ont encore quelques minutes pour tenter des tirs de loin. Ah, il est très gêné, hein, le soleil est au ras du sol, c'est vraiment très gênant. La Cuesta. Balle que vont jouer les Bastiais par Orlanducci. À la touche, sûrement pour Rep, c'est fait. Ah, Rep contré. Loupsi obtient une touche favorable hollandais. Alors que Krieg était passé très vite. Attention, arrêté par Guédon. Faute. A décrété M. Renéa. Et attention au coup franc. Et attention surtout aux joueurs d'Eindhoven devant, très bon de la tête, même en l'absence d'Estrom, celui qui jouait l'an dernier. Attention, cette balle est faite et très belle à réduire. Alors que M. René a vu une faute sur le gardien. Et que Hillard a laissé sa casquette dans son but. Ce n'est peut-être pas très prudent, mais vous voyez, il met toujours sa main en guise de visière, un véritable pour dégager de face actuellement, mais peut-être encore pour 10 minutes. 11 minutes de jeu, toujours 0-0. Les Bastiais tiennent, bien que les Néerlandais aient eu deux occasions de marquer. Stevens, qui, je vous l'ai dit, est maintenant en position d'arrière droit, car il marque Mario. Ce n'est pas Van Krige aujourd'hui, pour l'instant, mais vous savez, les joueurs néerlandais permutent souvent. Porflit. Oh là, il a lobé, heureusement qu'il a lobé Loupsé, car celui-ci était vraiment très bien placé pour frapper la balle de la tête. Porflit, qui est un athlète, c'est le numéro 5, il est très costaud, alors que Hillard gagne du temps. Il se dit, ce soleil va bien finir par se coucher, il a remis sa casquette. Mais cela ne lui suffit pas, vous voyez son geste. Et alors que les supporters Bastiais se réveillent et chantent, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est Bastia. Cela, on le saura dans un peu moins de 80 minutes maintenant. En tout cas, toujours 0-0, l'essentiel c'est de tenir. Et bien entendu, s'il y a un but marqué, qu'il soit Bastiais ou qu'il soit dans Eindhoven, eh bien, il n'y aura pas de prolongation, car il n'y aurait prolongation que dans le cas de 0-0. Car vous le savez, là aussi, les buts à l'extérieur en cas d'égalité comptent double. Toujours les Néerlandais à l'attaque, mais Guédon est tout seul. Là où j'ai eu peur qu'il soit lobé. Un dégagement de Landucci pour la tête de Stevens. Oh, au milieu de terrain, là, il est tout seul. Brands, le stopper qui monte souvent à l'attaque. Porflit, dégagement de Guédon. Encore Brands qui se trouve tout seul au milieu du terrain. Les Bastiais jouent le hors-jeu. Le juge de touche n'avait pas levé son drapeau, mais la balle, de toute façon, est sortie en touche. Remise en jeu qui va être effectuée par Caz. C'est un peu décousu, Jean, pour l'instant, le match. On a l'impression que les deux équipes hésitent à se livrer carrément. On a peur du contre de part et d'autre. Il est certain que le premier but est très important, par la force des choses, vu le score. Et on a l'impression que c'est beaucoup moins décousu que ça n'était à Bastia, malgré les conditions du terrain. Oui, c'est vrai, la première mi-temps à Bastia était un meilleur niveau, il faut bien le dire. Mais c'est une finale, car finalement, le match de Bastia était aussi une finale. Mais un match aller, finalement, ça compte, bien sûr. Alors que là, le coup franc va être tiré par Vancré, le libéro. Mais là, c'est vraiment la finale, car à la fin de cette rencontre, on donnera la coupe au capitaine de l'équipe victorieuse. Attention, car il y a René Van de Kerkhoff qui était en position d'arrière d'ailier gauche, qui était aux prises avec la Cuesta. Et finalement, c'est un dégagement de Caz, qui lui aussi a suivi, bien entendu, René Van de Kerkhoff, et qui lui aussi se trouve à droite, alors que d'habitude, il joue arrière gauche, bien entendu. René Van de Kerkhoff, que Caz suit de très près, vous voyez. Caz essaie de le dribbler. René Van de Kerkhoff essaie de dribbler, mais une fois de plus, Caz intervient. Dekker c'était là aussi, et la balle est mise en touche, à mon avis, par Marchioni. Mais il voulait effectuer la remise en jeu. Non, dit l'arbitre, et il a raison. La balle est au néerlandais par Loupsé, qui obtient un corner, car c'est Papy qui a contré cette balle.
Un corner donc pour les Néerlandais. Après 14 minutes de jeu. Corner qui va être tiré par Van der Kuylen. Un personnage assez curieux car il a les deux pieds. Il tire aussi bien du droit que du gauche. Et d'ailleurs, il tire ce corner du pied droit. Alors qu'en principe, le pied gauche est son meilleur pied. Vous voyez qu'il est vraiment complet, mais pas de problème là. Heureusement que Guédon n'a pas touché la balle. La balle était très travaillée, effectivement. Guédon n'a pas touché la balle, donc il n'y a pas de corner. Et dans quelques secondes, les joueurs de Bastia auront tenu ce fameux premier quart d'heure qui redoutait. Alors que le soleil n'arrive pas à se coucher. Hein. Il n'arrive pas de la tribune, contrairement à ce qu'on en croyait. Il arrive du milieu du terrain. L'ombre arrive du milieu du terrain. C'est assez curieux et nous en parlons car c'est important. Car Iyar a beaucoup de mal avec ce soleil dans les yeux. Et les Néerlandais qui sont les premiers sur la balle au milieu du terrain, qui pour l'instant dominent au milieu du terrain, là par Porfit. Mais finalement, Kaz met la balle en touche. Oui. Eh oui, c'était encore Vancré qui est souvent à l'attaque, Vancré de libéraux. Très souvent. Encore un nouveau corner en faveur de l'équipe néerlandaise qui cette fois-ci va être tiré par René Van de Kerkhove et non plus par Van der Kuylen. Attention, que va faire Iyar, il sort. Oh que c'était dangereux et finalement c'est Mario qui va pouvoir dégager. Il était temps pour Johnny Rep mais la balle sort en touche. C'était Brands d'ailleurs qui est très dangereux, très grand Brands le stopper qui s'était précipité sur ce corner et qui avait eu gain de cause de la tête. Attention, l'Oups, et oui, une balle contrée par Orlanducci mais qui pouvait être dangereuse vu les conditions. La Cuesta, Larios. Larios pour Crimo. La Crimo qui a tenté de dévier, qui a été bousculé. Et qui a obtenu gain de cause d'ailleurs, M. Renéa lui accorda le coup franc qu'il réclamait. Larios Rep. Willy Van de Kerkhove. Avec Krieg là-bas à gauche, attention. Contre de Guédon, mais ça ne suffit pas. Et oh, Larios qui a réussi à repousser. Mais le juge de touche avait levé son drapeau. Il y avait hors-jeu préalable, le juge de touche l'avait signalé. Mais il est difficile d'ici de le voir d'ailleurs, puisque nous surplombons la touche. Qui concernait justement le juge en question. En tout cas, belle sortie de Iyar, une fois encore, qui a été quand même pas mal sollicité pendant ces 17 premières minutes de jeu. Alors, on veut vivre le match de Saint-Étienne. Ce suspense qui demeure et cette peur du premier but. Papy avait bien brossé ici pour Rep, mais qui avait été devancé par Brands. Krieg, là-bas à gauche. Wow, heureusement, René Van de Kerkhove. Alors que Loupsé est dans la surface. René Van de Kerkhove, très bien joué. Parvient quand même à centrer. La balle n'était pas sortie, contrairement à ce que l'on pouvait penser. Marchioni pour Larios. Et voilà, cassure sur Iyar. Vous remarquerez que la composition officielle qu'on vous avait donnée comportait une erreur. En réalité, Kaz joue avec le numéro 2 et Marchioni avec le numéro 3. Une balle pour Crimo qui avait été devancé par Brands et qui a commis une faute, Crimo d'ailleurs. En pivotant, en faisant un peu la bascule. Couffrant donc pour Eindhoven, loin devant, détourné par Van der Kuylen. Dekkers s'est précipité. Dekkers. Une petite explication. Voilà, M. Renéa, il a dû de se calmer. Il y avait la Guédon, Orlanducci et Iyar. Iyar qui demande à ses coéquipiers de remonter un peu le terrain. Et Bastien a tendance cette fois-ci à jouer un peu dans leur camp. Marchioni réclame la touche. L'obtient Guédon. Sans doute pour Iyar. Alors que quelques sifflets s'élèvent maintenant dans le stade, ils s'adressent sans doute un peu à certaines lenteurs du jeu. Crimo avait dévié pour Mario.
Van Kraaij calmement pour Krieg. Et Johnny Rep. Oh, joli de l'extérieur du pied. Trouve Mario. Eh oui, mais Mario était hors jeu sur l'action. Ah non, alors que l'arbitre auparavant a vu un coup franc sur Johnny Rep. Là, il était difficile de voir d'où nous sommes. Johnny Rep, attention du pied gauche. Rate son tir, Johnny Rep. Dommage, bien placé, avait bien armé. ...19 minutes de jeu... ...0-0 ici à Eindhoven... ...autant dire que rien n'est joué... ...Orlanducci qui a laissé se passer ce ballon... ...peut-être à tort... ...attention au centre... ...de Bastier... ...la balle est reprise par Loupsé... ...Loupsé, deux pieds gauche... ...eh oui, Loupsé, il spécule encore sur le soleil... Rep contré, la balle encore embassée par la Cuesta. Rep, Caz. Orlanducci pour Caz sans doute, oui. Avait attiré des adversaires à lui, Caz. Larios, attention, peut-être tir de Larios. On trouve la balle à Cuesta en position dernier droit. Joli, attention, pied gauche. Attention, Larios, en position. Au-dessus. C'était bien préparé, c'était bien vu. On a cru que la Cuesta prendrait sa chance. Pourtant, il n'en a rien fait. Regardez, la préférée est trouvée Larios. Une action qui nous rappelle un peu un célèbre but contre Torino, où Larios était arrivé comme ça de l'arrière et avait hérité de cette passe de l'aile. Et j'espère que le ralenti est meilleur en France que chez nous. Hein. Voilà, la chorale hollandaise. Et Van Kraaij, voilà là-bas pour Dekkers. Dekkers qui attend un soutien, retrouve Van Kraaij. Demain un centre aérien, voilà, spécialité Eindhoven. Oh, bien remis, ça du pied gauche de part de Van der Kuylen. Très bien joué. Et beau contrôle de la Cuesta qui a touché du bras, mais l'arbitre a estimé que c'est involontaire. Guélan, très avancé. Ah, il s'est lancé, Papy. Ah, les deux hommes ne sont pas entendus. Papy en est tout dépité d'ailleurs. Papy est resté largement en retrait et Guédon a cru que Papy s'est lancé dans la surface. On procède par coup de boutoir de part et d'autre. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une organisation de jeu. Les Hollandais calment un peu le rythme, imposent un faux rythme, font circuler le ballon. Puis tout d'un coup, c'est un centre aérien à destination souvent de Dekkers ou souvent de Loupsé. Oh, tir du droit de Van Kraaij, mais nettement au-dessus, et tir, disons, prétentieux, parce que quand même à 40 mètres, malgré les quelques rayons de soleil qui restent encore, il était difficile de tromper Iard. Oui, il essayait de profiter des derniers rayons de soleil qui gênent Iard, mais bientôt, il n'y aura plus de soleil, et Iard pourra donc enlever sa casquette et aura moins de mal à contrôler les balles. Bastia, Bastia, qui les 5000 supporters corses, 22e minute de jeu, toujours 0-0. Et oui, car Bastia, en somme, dispute une finale à l'extérieur sur terrain adverse, puisqu'au match aller, vous le savez, il y a eu 0-0. C'est donc une finale sur terrain adverse, c'est dire si la tâche des Bastiais est difficile. René Van de Kerkhoff, le numéro 7, qui a toujours la balle, qui est parti de son aile droite, qui revient vers le centre, il cherche son pied droit, bien entendu, Crimo. Oh, Crimo qui a bien effacé Van Kraaij. Il a cherché Mario, mais qui a trouvé Stevens. Et ça repart pour l'équipe du PSV. Par Dekkers, position d'arrière droit. Stevens. Brands, le stopper qui monte souvent à l'attaque. Comme d'ailleurs le libéro Van Kraaij. Et effectivement, il faut marquer un but pour gagner la coupe de l'UEFA. Qu'y a-t-il à l'attaque? Je regarde cette passe. Oui, les Corses étaient un peu isolés. Il y avait certes le trio d'attaque, Rep, Crimo et Mario, mais ils n'étaient pas démarqués. Porflit à gauche pour, je vous l'ai dit, Kraaij qui joue maintenant arrière-gauche, alors que Steven est arrière-droit pour marquer Mario. Attention, 1-2. Et oui, et c'est le but réussi par Willy Van de Kerkhoff. Très belle combinaison, très beau 1-2.
Billy Van de Kerkhove réussit le premier but à la 24e minute du match. 24e minute, nous allons revoir ce magnifique 1-2 de Billy Van de Kerkhove avec Dekkers. Et là, vraiment, Hyard est battu, n'y pouvait rien. Donc, le PSV Eindhoven mène par 1-0 après 24 minutes de jeu. Et on l'attendait un peu, Pierre Cagioni, ce but, car les joueurs de néerlandais étaient les plus dangereux depuis le début, il faut bien le reconnaître. Ils sont les plus rapides et les plus incisifs en attaque, c'est certain. Bastia joue un peu replié, il manque une liaison au milieu de terrain. Les avant-bastiens étaient très peu tenus en ballon. Depuis quelques instants, la défense supporte un peu le poids du match. Et on sait que la défense de Bastia n'est pas faite pour supporter le poids d'un match. C'est une équipe essentiellement de contre-attaque. N'oublions pas que Bastia a marqué chaque fois de but à l'extérieur. Mais ici maintenant, la tâche devient difficile, pas impossible. Le match est quand même ouvert. Case à récupérer. Case toujours qui va bien s'en faire Marco. Une reprise du gauche, il a raté, Kaye est encore là, corner, concédé par Stevens. Ça peut lancer le match, il y avait une sorte de faux rythme qui régnait, avec quelques accélérations hollandaises. On a vu ce qu'a donné une de ces accélérations, avec lui, Van de Kerkhove à la conclusion. Mais effectivement, il y a une sorte de faux rythme dans le milieu de terrain bastien. Mario. Balle contrée par René Van de Kerkhove, corner à nouveau, toujours tiré par Mario. Là maintenant, pour les Bastiais, c'est le Vatou. Mario pour Caz. Ah, Caz qui pousse un peu trop loin, ça va, elle n'est pas récupérée, cela peut être très dangereux. Mario avait attaqué René Van de Kerkhove, qui voit la bas cherche Dekkers. Attention, oh que c'est dangereux. Orlan Bouchy pour son gardien Hyard. Sous le nez à la barre de Dekkers. Guédon. Larios. Larios. Larios tout seul. Orlan Bouchy absolument tout seul. Manifestement, il y a un autre rythme là depuis quelques minutes. Grino avait essayé de détourner la tête, ne retrouvait personne, mais Caz a pu récupérer. Quel travail ce Caz, extraordinaire. Marchioni à la lutte avec Loupsé. Et le ballon est encore Bastier. Guédon sur Larios. Larios qui part par la droite, bien joué là par Larios, a effacé Dekkers. Contré cette fois-ci par Willy Van de Kerkhove. Ref pour Papi. Oh. Ah, il y avait Grino derrière lui. A chercher la barre. Oh, de Papi qui essaie de rattraper cette balle. Pressing Bastia pour l'instant. Voilà, et Stevens donne à son gardien qui n'a pas été très sollicité, il faut bien le dire, Van Beveren, pour l'instant on ne l'a pratiquement pas vu. Mais il y a eu là une flambée bastiaise qui aurait pu peut-être revenir avant. Van Kraai. L'arbitre laisse jouer alors que les Hollandais pensaient profiter d'une faute. Porte blitz pour Van Kraai. Papi intercepte. La Cuesta. Primo a deux hommes sur lui. Et il n'y a que Primo et Mario en attaque d'ailleurs. Et oui, attendu. Attaqué par William Van de Kerkhove qui est venu subtiliser ce ballon dans les pieds. Il n'y avait pas assez d'avant Bastia, en tout cas les deux qui étaient scellés. René Van de Kerkhove. Et non, l'arbitre a joué. Guédon peut repartir. Larios pour R. Pour Guédon. Ah non, mauvais espace de Johnny Rep qui a cru que Marchioni devait s'avancer. Mais Marchioni a eu peur du contre et peut-être juste raison parce que Dekkers était là et c'est lui maintenant qui est en position du ballon. Qui sort de haut, la reprise devant Der Kulen. Raté. La Cuesta, loin devant pour Johnny Rep. Johnny Rep à la course avec Krieg. Qui dégage comme il peut, c'est-à-dire dans la précipitation et dans le public. Eh bien ce match me rappelle un peu celui que j'ai vu à Lisbonne. Bastia avait pris le premier but, ce but qu'il éliminait. Oh, la belle roulette de Mario, ce but qu'il éliminait de la coupe. Et ensuite Bastia a réussi deux buts. Espérons que le même scénario se produira ici, bien sûr, sans être chauvin. Mais pour l'instant, c'est le PSV Eindhoven qui mène par 1-0 après 29 minutes de jeu. Donc, pour l'instant, la coupe de l'UEFA
et néerlandaise, mais bien entendu, rien n'est fini. Et les Bastiais l'ont prouvé qu'en accélérant un petit peu, ils pouvaient mettre en danger les buts gardés par Van Beveren. Mais malheureusement, il y a encore un peu trop d'imprécision dans les passes. Évidemment, oui, bien joué de la part de la défense. Orlanducci, oh là là, la passe d'Orlanducci à la Cuesta était quand même un peu trop appuyée. Attention à la contre-attaque, car eux aussi sont très dangereux. Van der Kuylen pour Willy Van de Kerkhove, l'auteur du but. Ça combine très bien. Ah, il y avait René Van de Kerkhove là-bas aussi, en position d'avant-centre. Dekker s'était bien placé, mais Larios maintenant repart, ça joue très vite maintenant. Enfin, le match est lancé après un peu d'observation, un round d'observation. Papy à l'aile gauche, qui a très bien vu Mario, qui va pouvoir tirer du gauche. Heureusement pour les Néerlandais que Stevens est intervenu, alors que Mario a plongé, voulant obtenir un pénalty, mais il n'y était pas. L'intervention de Stevens était très régulière. C'est un corner pour les Bastiais. Les Bastiais qui ont toujours su réagir lorsqu'ils avaient, ils ont encaissé un but à l'extérieur, qui en ont toujours réussi deux sur terrain adverse, mais c'est évidemment difficile de réussir des buts à l'extérieur. Je vous l'ai dit, pour les Bastiais, c'est une finale sur terrain adverse, puisqu'au match aller, il n'y a eu que 0-0, à cause, bien entendu, des conditions atmosphériques. Alors que... cette défense de Deven n'en plus, c'est-à-dire que 12 buts dans cette poule UEFA pour en donner 29. C'est-à-dire que c'est largement... 12 buts en 11 matchs, hein, c'est pas beaucoup. Elle est très forte, nous l'avons d'ailleurs vu Van Beveren accomplir des miracles à Bastia. Et c'est la première fois qu'un club que PSV Eindhoven marque un but à un club français, puisque Saint-Etienne ici avait fait deux fois match. Mais attention, regardons d'abord le corner, ce que ça donne, dégagement de Van Beveren. La Cuesta en renvoie la balle, non, il n'avait pas hors-jeu, mais Rep était bien placé, mais la balle était dans les bras de Van Beveren. On repart à l'attaque, on cherche désespérément Rep et on trouve involontairement Craig. Willy Van de Kerkhove, l'auteur du but. Belle passe de Krieg pour Loupsé. Et c'est Kaz là qui commet une faute sur Loupsé. C'est un coup franc alors que René Van de Kerkhove parlait à l'arbitre qui lui dit de se taire. Coup franc qui va être tiré par Van der Kuylen. Ah, une balle très liftée, très brossée. Non, il n'y a pas hors-jeu. Dit le juge de touche. Ouh là là, on a bien cru là qu'il allait y avoir un but, car les joueurs de Bastia ont cru au hors-jeu, alors que le juge de touche a estimé qu'au départ de la balle, regardez si vous pouvez voir cette action, car nous, notre ralenti ne fonctionne pas du tout. J'espère que pour vous, il est très bon. Voyez le lob, nettement au-dessus, mais ça chauffait dur, car il était tout seul, Brands. Hein. Et hier, oui, et là... La tactique du hors-jeu est une tactique dangereuse. Et là, les Bastiais ont failli encaisser un deuxième but, alors qu'on joue depuis 32 minutes. Ça aurait presque été le coup de grâce. Et ça continue par De Kerkhove, René, là. C'est l'ailier droit René, ce sont deux jumeaux. Quelquefois, on peut les confondre, bien entendu. Intervention de Guédon, il n'y a pas pénalty, dit l'arbitre, et je crois qu'il a raison. L'intervention de Guédon était régulière. C'est donc un corner seulement, mais bien entendu, une partie du public réclamait le pénalty. Ce n'est qu'un corner et c'est justice qui va être tiré par Van der Kuylen, le milieu de terrain qui sait tout faire, qui a une grande classe. Il va tirer encore ce corner du pied droit. Et il avait une faute auparavant, donc les Bastiais vont pouvoir se dégager. Toujours 1-0 pour le PSV Eindhoven après 33 minutes de jeu. Il faut maintenant que les Bastiais marquent un but. Ah, il faut à tout prix ce but au Bastia, bien entendu. N'oublions pas que s'il y avait un partout, c'est Bastia qui remporterait cette Coupe de l'UEFA. De là vient le suspense de cette rencontre. Mais notons aussi, malgré tout, que le milieu de terrain Bastia est affaibli face au tri d'Eindhoven. Il est certain que la plupart des ballons sont pour Eindhoven. Il y a une carence en milieu de terrain qui est très très nette. Et peut-être des joueurs comme la Cuesta en particulier n'ont pas le rendement habituel. Pris de vitesse sans doute par les joueurs d'Eindhoven, très rapide et très à l'aise bien entendu sur ce terrain qu'ils connaissent parfaitement. Ceci est une lapalissade. Monsieur Adekers, très rapide ces joueurs, balle au pied, toujours dangereux individuellement. Vous remarquerez qu'il n'y a pas, sauf peut-être lors du but sur ce 1-2, il n'y a pas un football très très construit à Eindhoven, mais il y a des joueurs intrinsèquement très bons, pris un par un, et qui chaque fois qu'ils ont la balle au pied, qu'il s'agisse de Van der Kuylen, qu'il s'agisse
les deux frères Van de Kerkhove en particulier ou de Lopsé sont dangereux et peuvent aller pratiquement tout seul au but. Stevens qui avait été privé du ballon par Mario puis par Crémo, mais vous voyez qu'on récupère de la part de Noven et on repart très très vite par Lopsé ici. Qui a Van Krijk, qui a Krieg, et ça en réalité c'est Van Krijk qui a touché cette balle de la hanche. Sans doute au bénéfice de Bastia, puisque Willy Van de Kerkhove attendait là-bas dans la surface ce ballon qui aurait pu lui parvenir s'il n'avait été dévié. Ça manque de tranchant dans le milieu de terrain Bastia, c'est très net, même les passes ont du mal à parvenir. Regardez, Van de Kerkhove, il est pratiquement tout seul, René Van de Kerkhove. Oh joli, a pris casse de vitesse, parvient à centrer pour Yard, mais c'était très bien fait, très très bien fait. Orlanducci. Wook, c'est dangereux. Wook, c'est dangereux. Il y a trois blancs qui traînent par ici, mais Larios s'en sort. Loin devant pour Claude Papy en position d'ailier gauche. Il y a Crimo au centre. Mario qui est là-bas en position d'ailier droit. Et Johnny Rep, le voici. Ah, Johnny Rep qui a du mal. Voilà, l'arbitre de touche a décidé que la balle était sortie. Sortie au bénéfice des Hollandais. Et c'est Krieg qui va faire cette remise en jeu. Pour Steven sur Krieg. Voilà, Van Beveren qui est obligé de sortir de sa surface. Et tranquillement, Willy Van de Kerkhove. Pour son gardien. Marconi ici qui avait raté sa tête, dont profite les Hollandais, en particulier par Van Krijk. Attention au centre de Van Krijk. Peut-être un peu trop long, mais René Van de Kerkhove est encore là. Il est partout, René Van de Kerkhove. Quel beau footballeur. Lopsé qui avait essayé de remettre tout de suite au bénéfice de Mario cette balle. Ah, mais on n'arrive pas à la pousser vers la Cuesta. Et oui, la Cuesta cette fois-ci a donné le ballon devant, mais là où il n'y avait absolument personne. C'est-à-dire que Rep l'attendait au centre et Crimo à gauche. Van Krijk, Orlanducci, Papy, Orlanducci, Marconi, la Cuesta, difficile de jouer ce jeu-là. Et voilà, on va vers le contre obligatoire avec ce jeu-là. Petite passe, Rep qui s'est fait utiliser le ballon. Oh, qui arrête René Van de Kerkhove. L'arbitre est joué. Au grand désappointement du public. Ah, il va avoir du mal, Bastia. C'est le moment de crier Forza Bastia. Forza Corsica. C'est une chanson. Il va avoir du mal. Papy. Papy pour Mario. Mario, centre, attention à Johnny Rep. Il n'a pas pu assurer. Il était à la lutte avec Krieg, qui est très grand aussi. Et Johnny Rep n'a pas pu contrôler ce ballon. Dommage. Difficile pour les Bastiais de s'approcher de ces 18 mètres, en tout cas de mettre en danger Van Beveren. Oui, je crois que tout le match se repose sur le milieu de terrain Bastiais, car pour l'instant, oui, enfin, il a quand même trouvé la Cuesta. Ah, dommage, c'était bien joué, là encore, les deux ex-Stéphanois jouent entre eux. Et finalement, c'est un dégagement par Lopsé, très replié. René Vardenculen, cela peut être très dangereux. Sera le juge de touche, il y a hors-jeu. De Dekkers. Heureusement, car c'était. C'est tangent. Ah, finalement, on pensait que Bastia pourrait jouer le contre ici, car on pensait bien sûr que les Néerlandais domineraient. Et finalement, les meilleurs contres sont néerlandais. C'est un peu un paradoxe de cette rencontre. Mario, aux prises avec Stevens. Eh oui, monsieur Richevert, l'entraîneur du PSV Eindhoven. Ayant constaté à Bastia que Krieg était passé à tous les coups par Mario, a mis sur lui Stevens et Mario passe moins souvent. Alors que les Néerlandais sont toujours à l'attaque. Mais là, c'était un peu improductif. Longue balle en avant. Les deux joueurs ne s'étaient pas compris. Et après 39 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le PSV Eindhoven. Alors que Iyar voudrait bien donner la balle à un de ses arrières, mais Dekkers veille. Il dégagera donc au pied. La destination de Larios, qui est le plus grand. Il y a aussi Crimo, voilà, Van Beveren, presque d'un gardien à l'autre. Ah, il faut bien qu'il touche la balle de temps en temps. Hein.
Et le paradoxe vient surtout du fait qu'on pensait que cette équipe d'Eindhoven, qui pratique ce qu'on appelle le football total, qui a été un peu inventé pratiquement par les Hollandais, monterait en vague et pourrait favoriser les contre-attaques. En réalité, la défense d'Eindhoven ne bouge pas. Ils lancent des gens devant, c'est uniquement les attaquants, mais les défenseurs bougent rarement. Vous voyez, ils sont toujours 4-5, même quand il n'y a que 3 Bastiais. Eh oui, c'est donc une tactique prudente qu'a adoptée là, et pour l'instant elle est payante, qu'a adoptée là Rijsvaer, l'entraîneur, ancien Stéphanois lui aussi, mais néerlandais bien entendu. Attention à Porvliet, Papy replié, réussi à dégager, ça repart par Rep, mais interception de la main de Krieg. Ah, enfin, peut-être que les Bastiais vont pouvoir attaquer là-bas par Larios. Larios qui semble glisser, pourtant il n'a pas plu ici, je vous dis, il fait très beau. Toujours lui qui a la balle pour Johnny Rep, il cherchait un 1-2 avec Johnny Rep, mais celui-ci préfère partir sur la droite. Eh oui, le public applaudit, car c'est bien joué de la part de Krieg, qui a pris la balle régulièrement à Johnny Rep. Johnny Rep, qui est pourtant une des idoles de l'équipe nationale néerlandaise, mais il joue aujourd'hui avec Bastia. Et dès le match fini, d'ailleurs, il rejoindra la sélection néerlandaise pour l'Argentine. 41e minute de jeu, toujours 1-0 pour PSV Eindhoven. Alors que là, vous avez vu que Van Cree, tout de même, le numéro 9, le libéro, monte de temps en temps à l'attaque. La Cuesta. Allez, il faudrait que les Bastiais égalisent un peu avant la fin de la première mi-temps. Larios pour Caz. Caz qui vient lui aussi à l'attaque, qui redonne un retrait à Larios. Il y a 8 Bastiais à l'attaque. Caz, en position d'ailier gauche, préfère revenir pour donner sans doute à Larios, à moins qu'il centre. Non, Larios. Il y a 4 Bastiais dans la surface de réparation. On cherche un 1-2 avec Papy pour Larios, qui a un tir terrible. Mais non, cela n'est pas passé. La passe à Mario. Ça ne passe pas. Les Bastiais jouent un peu trop arrêtés. Alors qu'il y avait un hors-jeu, oui, presque au milieu du terrain. En hors-jeu de René Van de Kerkhove, et qu'à 3 minutes de la fin de la première période, toujours 1-0 pour le PSV. Toujours 1-0, et les nerfs se tendent un peu chez les supporters bastiais. Cela se comprend, ce but que l'on attend ne vient pas. Ce n'est pas faute d'essayer, mais les Néerlandais jouent très regroupés. D'ailleurs, vous en avez eu un exemple tout à fait récent, où les Bastiais essayant de procéder en 1-2, de chercher en petite passe dans la surface, n'arrivent pas à passer cette défense néerlandaise qui paraît très très sûre. Et il faudra pourtant y arriver si Bastien veut gagner cette coupe UEFA et être le premier club français à ramener une coupe européenne. Alors que Crimaud ici, Crimaud a failli profiter d'une erreur de Brandt qui avait pris un peu trop son temps. Orlanducci, mais le contre est défavorable. Dekker s'en avait profité, Guédon. Marchioni pour Yard. Ah, il faudrait essayer de jouer plus vite et surtout beaucoup plus direct. Guédon va pouvoir relancer. Oh, c'est balle aérienne. Cette fois-ci, Mario l'a prise. Elle est au profit de Papy, qui avait essayé de trouver Crimaud, qui a été contré. Au moment où il amorçait sa passe, la Cuesta a effacé l'Opsé. Et Orlanducci là-bas, en position d'ailier droit. Van Kraaij devant lui. Centre d'Orlanducci. Oh, en général, c'est des centres qui n'inquiètent rarement Van Beveren, ça. Et voilà, et tous les blancs repartent. Toujours avec cette cassure au milieu de terrain. Ils sont 4 devant. Ils seront peut-être 5 à l'arrivée, mais pas davantage. Un centre qui était destiné à Dekkers, mais calmement, Caz a donné à Yard. Mario a, sur son pied gauche, a contrôlé, mais Brandt relance. Willy Van de Kerkhove pour Krieg. Krieg par le centre, eh oui, assez de passer par le centre alors que Willy Van de Kerkhove était tout seul là-bas à gauche. Il le lui reproche d'ailleurs. Attention, Johnny Rep. Crimaud, mais il y avait une faute sur Rep au préalable. Joué par Papy. Papy qui cherche Mario là-bas. Ah, Mario sur le pied droit. N'a pas pu contrôler. Et remise en jeu par les Néerlandais.
Van Beveren. L'arbitre consulte son chronomètre et siffle. Fin de la première mi-temps, 45 minutes de jeu ici à Eindhoven. Eindhoven 1, Bastia 0. Il reste 45 minutes à Bastia pour refaire son retard. Et vous savez bien entendu que le suspense continue parce que le moindre but de Bastia mettrait les équipes à égalité mais donnerait la coupe de l'UEFA à Bastia si le score bien entendu restait inchangé jusqu'à la fin de la partie sur 1-1. Donc tout reste à faire à Eindhoven. Nous nous retrouvons dans 15 minutes alors que vous voyez ici les joueurs rentrer au vestiaire. Willy van Kerkhove, Krimo, Ossu, Lacuesta, Veller, Jules Philippi le directeur sportif, Félix. Voilà, les joueurs sont rentrés au vestiaire. Rendez-vous donc dans 15 minutes. Alors que Yar est le dernier à réintégrer les vestiaires pour suivre ce suspense et voir si Bastia peut ramener en France la Coupe de l'UEFA. Eh bien, nous revoici sur ce stade d'Eindhoven où M. Renéa va siffler dans quelques secondes le début de cette deuxième mi-temps entre Bastia et Eindhoven. Si vous rentrez en ce moment même chez vous, si vous n'avez pas pris dans la première mi-temps, sachez qu'ici à Eindhoven, Bastia est mené 1-0. Un but en première mi-temps réussi par Willy van de Kerkhove. Et un Bastia que l'on n'a pas tellement reconnu ici dans la tribune de presse. Les avis sont unanimes alors que M. Renéa vient de donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps qui, espérons-le, va voir Bastia prendre ce match à bras le corps et un Bastia un peu plus incisif qu'il n'a été lors de la première mi-temps. Voilà la défense bastiaise qui est déjà pressée sur ses buts, en particulier par Willy van de Kerkhove. Là-bas, c'était Stevens qui a perdu ce ballon, récupéré par Mario. Pendant ce temps-là, je regarde s'il n'y a pas eu de changement dans les deux équipes. Apparemment, les entraîneurs Richevers et Cahuzac ont maintenu le même effectif qu'en première mi-temps. Larios, Claude Papy, longue balle pour Marchioni, Lacuesta. Ah, Lacuesta qui essaie de trouver quelqu'un en profondeur, a failli profiter du contre. Johnny Rep, Lacuesta, Rep récupère. Et non, il y avait deux tirs de Papy à Rater, à gauche. Il a tenté Papy, mais tant mieux. Il vaut mieux peut-être que Bastia d'ailleurs joue comme cela, parce que les tirs en première mi-temps ont été fort rares. Et par là même, les occasions de but aussi. En réalité, disons-le, Van Beveren n'a pratiquement pas eu de travail, si ce n'est deux centres aériens, ce qui pour lui pose rarement un problème. Orlanducci, Larios, Lacuesta, Larios en position d'ailier droit, va pouvoir centrer à Rater. Dekker était là pour reprendre, Papy va récupérer. Et lance là-bas encore pour Larios en position d'ailier droit. Mais il y avait Willy van de Kerkhove. Calmement pour Van Beveren. Bastia s'est peut-être laissé prendre dans ce faux rythme imposé par Eindhoven en première mi-temps. À cette défense renforcée, alors qu'on pensait qu'Eindhoven irait carrément à l'assaut. Mario. Krimo devancé par Brands. Stevens préfère mettre en touche. Mario, Lacuesta, Lacuesta tente un centre-tir. Difficile de savoir quelle était son intention réelle, plus de sans doute un centre. Orlanducci, Rep. Ouf, faute qu'il avait trouvé Van der Kulen, Rep. Caz, Lopsé, Lopsé, longue balle mais contrée par Papy, Lacuesta,
Ah, les pas sont un peu molles. Sedan profite pour De Vliet, très avancé. Attention à René Van de Kerkhove. Loupsé là-bas, René Van de Kerkhove. Centre et contre de Case. Van der Kulen, très long centre. Attention à la tête de Loupsé, qui a essayé d'ajuster, qui a pris son temps. Tête au-dessus. Occasion peut-être peu dangereuse des Hollandais, mais occasion tout de même. Quatre minutes de jeu, toujours 1-0 pour le PSV Eindhoven. Bastia qui n'arrive pas à organiser son jeu, qui est un peu désemparé à l'image de Claude Papy. Et oui, Claude Papy, je sais que la saison a été très longue et très dure pour les Bastiais. Mais il n'y a plus qu'un peu moins de 45 minutes à jouer. Alors, un dernier effort pour gagner cette Coupe d'Europe. Je pense que les Bastiais sont capables de puiser dans leurs ressources nerveuses pour essayer de gagner. Alors que là, il y a une faute très nette sur Marchioni. Marchioni qui est en position d'ailier droit. Et c'est un coup franc au bénéfice de Bastia. Il va être tiré par Johnny Rep, le néerlandais, mais qui joue avec Bastia, bien entendu, pour Larios. Un centre, on cherche la tête de Crimo. Et finalement, oh là là, il s'est affolé complètement, la Loupsé, alors qu'il avait pourtant près de lui son stopper Brax. Il a dégagé en corner, alors que vraiment, il n'y avait pas de danger. Peut-être que cette défense néerlandaise qui a été tellement sûre en première mi-temps va maintenant un peu s'énerver. Attention à la tête de Crimo. Et à nouveau Loupsé qui dégage en corner à mon avis. Alors que Rep lève les bras au ciel en disant mais il devait y avoir corner puisque je n'ai pas touché la balle. Il regarde maintenant le juge de touche mais on a décidé autrement. Donc dégagement 6 mètres pour Van Beveren. A noter que Van Beveren n'a pas arrêté un seul tir sérieux bien entendu en première mi-temps. On ne peut pas dire qu'il ait été en danger, Van Beveren, le gardien de but du PSV Eindhoven. Mais Bastia maintenant domine quand même, semble se reprendre un petit peu. Non, il n'a pas eu de changement effectivement dans les rangs des deux équipes, alors que Willy Van de Kerkhove, très replié, essaye de relancer le jeu. C'est lui qui est Dekkers en position d'avançante. Attention, il est très rapide ce Dekkers. Marchioni, heureusement, en retrait pour Guédon. Guédon pour Iar. Et toujours Dekkers qui suit. L'ancienne arrière qui est maintenant avançante pour la plupart du temps. Guédon pour Larios. Larios qui a du champ devant lui. Johnny Rep qui est malheureux, Johnny Rep dans ses contrôles. On s'attendait à une grande partie du néerlandais pour qu'il justifie sa sélection dans l'équipe des Pays-Bas pour l'Argentine. Loupsé. Loupsé qui en principe devrait jouer au poste d'ailier gauche mais la plupart du temps il est en défense. Case pour Papy. Pour Case à nouveau en retrait, mais tout cela n'est pas très constructif. La Cuesta fait un bon match tout de même. Pour Papy, personne ne vient soutenir Papy. Crimo, il y a Papy, il y a Mario. Ah non, passe complètement ratée de Crimo à Mario. Et notez bien, car notre présentation n'est pas, paraît-il, passée vers Paris, que Richevert a eu une très bonne idée de mettre Stevens pour marquer Mario, alors que Krieg avait chaque fois été passé, avait été pris de vitesse par l'ailier gauche Bastier. Et bien là, Stevens l'a presque tout le temps arrêté, alors que Guédon maintenant peut dégager pour Papy qui donne vers Orlanucci. Pour Mario, contré une fois de plus par Stevens, c'est une touche certes, mais Stevens marque très bien Mario et ça fait un peu la différence, je crois. Claude Papy à la touche. A voulu trouver la Cuesta et a trouvé en réalité Willy Van de Kerkhove. Cela se passe souvent ainsi. Faute. L'arbitre laisse jouer. Van der Kulen pour René Van de Kerkhove. Faut que c'est dangereux. Préfère la Bélassé là-bas pour Dekkers. Et Guédon in extremis devant Dekkers qui s'apprêtait pour une reprise de volée du pied droit. Bien joué de la part de René Van de Kerkhove. On a cru qu'il y allait tout seul. Oui, il aurait peut-être pu tenter sa chance. Hein. Touche favorable à Eindhoven par Loupsé qui contrôle cette balle. Attention le pied gauche. Arater n'a pas pu assurer le tir mais c'était bien tenté. Iar, mauvais contrôle de Johnny Rep qui a voulu détourner. Et non, Mario a eu le dessous avec Dekkers. Eindhoven peut repartir pour Viet. Bon, Viet qui a éliminé Papy.
Dekkers. Il laisse là-bas pour une ligne offensive. Attention. Joli Guédon. Oh, c'est dangereux ça. Oh, ces petites balles que l'on laisse traîner comme ça dans la surface. Et voilà ce qui arrive. C'était Van Gaal qui en avait, Glick qui en avait hérité. Et il ne faudrait pas que Bastia s'amuse souvent à ce petit jeu dans la surface. À la touche René Van de Kerkhoff. À trouver Van der Kulen qui lui redonne ce ballon. L'arbitre a vu une faute que peut jouer Orlanucci. Qui donne à Case. Voilà, on n'est pas tout à fait d'accord sur l'endroit où s'est passée la faute. C'était bien Orlanucci qui avait raison. C'est autant de perdu, autant de gagné pour Eindhoven. Guédon, Case. La Cuesta s'est trouvée là-bas. Marchioni, mais balle un peu poussée. Et récupéré par les Néerlandais à la touche Willy Van de Kerkhoff. Voilà, ils peuvent perdre du temps, les Néerlandais, ils peuvent se permettre, ils mènent par 1-0, ils sont pour l'instant les détenteurs de la Coupe UEFA. René Van de Kerkhoff a éliminé la Cuesta et Case, mais retrouve Case sur son chemin. Continue René Van de Kerkhoff. Contré par Papi, loupsé. Ah, ils accélèrent là. Attention à Van der Kulen, s'il arrive sur son pied gauche, cela peut être dangereux. Et tir, trop enlevé de Van Kraaij. La balle n'est pas sortie pour autant. Mario, très replié. Loin devant, pour qui? Pour bien entendu un Néerlandais, puisqu'il n'y a pas de Bastier. Brands. La Cuesta. Balle poussée, mais il n'y a pas de Bastia devant, donc qui peut en profiter? Personne. Marchioni. La Cuesta. Loin là-bas pour Papi. Vers qui se porte Portvliet. Claude Papi pour Johnny Rep. Déviation de Johnny Rep pour Claude Papi. C'était pas mal joué, mais Rep n'est pas arrivé à temps. Ou plutôt Mario, j'ai fait un lapsus. René Van de Kerkhoff, tout seul. Oh, centre de banc. Oh, quelle occasion. Ah, mais là, on peut dire que vraiment, Eindhoven pouvait mener 2-0. Centre de René Van de Kerkhoff, que Van der Kulen avait qu'à pousser. Et Johnny Rep qui a essayé de presser de Kraaij. Mais qui avait tout le temps d'assurer sur son gardien. René Van de Kerkhoff, on a l'impression à eux deux qu'ils sont 5, les Van de Kerkhoff, ou 6. 11 minutes de jeu en seconde période et toujours 1-0, mais ce sont les Néerlandais qui sont les plus dangereux. La Papi vient de contrer cette balle qui va sortir en corner. Vous avez vu tout à l'heure comment Dekkers a raté vraiment le but du bout du pied alors qu'il était tout seul devant Iar. Eh bien, croyez-moi, pour l'instant, Bastia n'est pas parti pour apporter cette coupe de l'UEFA, mais nous espérons tout de même un dernier sursaut des Corses. Ils en sont coutumiers, vous le savez, sur terrain adverse, mais c'est le PSV d'Eindhoven qui essaye de marquer ce deuxième but qui les mettrait presque à l'abri d'un retour Bastier. Mais rappelons tout de même qu'en cas, alors que là c'est une tête de Brands, le stopper qui monte souvent à l'attaque. Rappelons tout de même qu'en cas de match nul, un but partout, c'est Bastia qui gagnerait la Coupe d'Europe. Il faut donc que les Bastiais marquent un but. Mais ils n'ont pas été souvent en position de tir, ils n'ont pas souvent inquiété Van Beveren. Alors qu'Iar perd du temps, donc l'arbitre... Changement, Bastia, changement de joueur. Voilà, Dezerbi, le numéro 15 qui va entrer en jeu, le petit Dezerbi qui peut effectivement... Et c'est Mario qui sort. C'est Mario, Mario qui sort, et oui, car Mario avait été très brillant à Bastia. Dezerbi, Mario avait été très brillant à Bastia face à Krieg. Là, Stevens, l'ami, comme on dit, c'est une expression, peut-être un cliché, sous les teignoirs. Et Mario sort et remplacé par Dezerbi, très applaudi par les 5000 supporters corses, car le petit Dezerbi, par ses accélérations, par ses courts crochets, peut effectivement mettre en danger cette défense d'Eindhoven. Bien joué donc, monsieur Cahuzac, alors que Crimo contrôle la balle pour Larios. Larios, ah, on est...
C'est le joker de Zerbi qui vient d'entrer en jeu. Peut-être va-t-il dévarier alors que la balle a été contrôlée par Willy van de Kerkhove qui centre. La Cuesta en retrait pour Hillard. C'est le joker utilisé par Cahuzac. Il en a encore d'autres, bien entendu, à sa disposition. Les remplaçants, notamment Félix, l'avant-centre. Je parle des avants, bien sûr, car il faut marquer un but. Je ne parle pas des arrières remplaçants. Les deux gardiens de but, Van Beveren, et oui. Depuis le début, il a surtout des balles adressées par ses partenaires. Porflit pour Dekkers et Papy. Allez, Papy pour De Zerbi. Et voilà, un contre-favorable. Il faut de la chance aussi. Il est tout jeune, Papy. Il est audacieux, donc il a de la chance. C'est normal, toujours lui. Premier ballon touché par De Zerbi, c'était bien joué. Il a Marchioni, lui aussi, qui est au poste d'ailier droit. Qui sort pour la tête de Crimo ou de Johnny Rep. Dégagement de Van Veren. Voilà, dès que De Zerbi est entré en action, ça va plus vite et cela peut être dangereux. Les Corses vont peut-être réussir ce but que nous attendons depuis le début. Je croyais qu'il y avait un corner, mais en fait, il n'y en a pas. Voilà, une demi-heure de jeu maintenant. Le compte à rebours est commencé. Il faut à tout prix que Bastia marque un but. 14, il reste une demi-heure de jeu, oui. Il reste une demi-heure de jeu. De Zerbi, vous l'avez vu, est rentré. Suprême espoir des Corses. Alors ce sont les joueurs de Leuven qui sont en attaque. Julien Van de Kerkhove est rentré dans la surface. Attention, contré, il est prévu par Larios qui était replié et qui trouve le talon de Guédon. Ça c'est un comble. Enfin on va pouvoir repartir par Claude Papy. Orlanducci. Wow. Ça c'est assez dangereux, mais l'arbitre a joué avantage. La Cuesta. La Cuesta à la lutte avec Willy Van de Kerkhove. C'est donc profit de Van der Kulen. Krieg, Van der Kulen a trouvé Krieg à nouveau, à centre complètement loupé de Krieg, on va profiter de Zerbi, bien, ah c'était pour Claude Papy qui a dû être un peu plus rapide sur ce ballon, Guédon, loin devant, oui dans ce cas là, qu'est-ce qui arrive, c'est Stevens, la balle était quand même un peu trop poussée. Et Primo devant Van Beveren. Il manquait deux foulées. Guédon, qui est attaqué par Dekkers. Orlanducci, Marchioni. Larios laisse passer pour la Cuesta. Marchioni. La Cuesta. Wow, trop long cette balle pour Orlanducci. Et René Van de Kerkhove. Il est venu la chercher. Ah, devant lui, Kaz. Passé ce Van Kraaij. Et c'est la Cuesta qui a repoussé ce ballon. Qui peut repartir par Orlanducci et Papy. Du Guédon. Ah, il faut à tout prix accélérer maintenant. Larios qui essaie de partir la bande. Grande enjambée. La lutte avec René Van de Kerkhove. Qui lui procure la suite. Attention, Crimo avec une embuscade. Crimo en embuscade comme il y a un corner. Concédé par Brandt qui s'est apporté aussi sur ce ballon. Ah, il y avait une faute là, de René Van de Kerkhove qui n'a pas assez appuyé la passe en retrait à son gardien. Et corner pour Bastia par De Zerbi. Attention à Johnny Rep, tout le monde rate la balle. Ce qui n'était pas le cas de Dekkers qui a pu dégager. Attention. Dekkers là-bas, tout seul, et ils sont deux pour deux. Que va faire Dekkers? Il a cherché Willy Van de Kerkhove. Heureusement, Bastia a repoussé. Lutze a essayé de passer. Entre les deux, Lutze toujours arrête la Cuesta. Et Orlanducci pour Ia. Et on a souffert. C'est un peu la panique, hein? Et on a souffert. Ils étaient deux contre deux. Crimo. Un contrôle assez long. Et qui parvient quand même à la Cuesta, qui a trouvé lui Larios. Allez, Johnny Rep est seul là-bas. Ah, la tire de Larios. C'est marrant, les tirs ne partent pas aujourd'hui, il n'y a rien à faire. On n'a pas vu un tir vraiment dans la cage. Ils ont pourtant tenté, Papy, Larios. Tenté de loin puisqu'ils ne parviennent pas à s'infiltrer dans cette défense, mais les tirs en général à ras de terre sont à 3-4 mètres de la cage. Orlanducci devancé par Dekkers. Guédon de la tête, battu
Attention. Avertissement, mais non avantage. Contre-favorable à Guédon qui est aux prises avec Dekkers. On va pouvoir donner à Yard. Il faut jouer très vite. C'est curieux la pierre, car s'il n'y avait pas eu l'avantage pour les Néerlandais, l'arbitre sortait un carton jaune pour Guédon. C'était la même phase qu'en première mi-temps. Crimo qui essaie de prolonger pour Ref. Voilà, Ref dans son tacle glissé, mais qui n'a pas réussi. Krieg. Ah, un mauvais coup maintenant, très bien. Applaudi. Willy van de Kerkhoff. Doupsé. Privé du ballon pour Orlanucci. Pour la QSTA. Allez, ils sont un peu dégarnis. Il y a Crimo là-bas qui attend ce ballon. Rep qui croise, mais un peu tard. Oh. Eh non. Il faut aller plus vite, enfin. Van Kraaij n'a eu aucun mal à le récupérer. Oh, attention. Joli Guédon. Ça, s'il était battu, c'était plus dangereux. 19 minutes de jeu en seconde période et toujours 1-0 pour le PSV Eindhoven. Et oui, tant qu'Eindhoven ne mène que d'un but, l'espoir demeure avec la Cuesta là qui attaque, mais qui perd la balle, oui. Willy van de Kerkhoff la lui a prise et c'est la contre-attaque. Les contre-attaques se succèdent en ce moment. Yard hésite à sortir et finalement, Ekaz doit dégager en corner, alors que pourtant il aurait pu donner à son gardien de but. On s'affole un peu des deux côtés, mais les joueurs de Bastia n'ont pas pu accélérer vraiment le jeu jusqu'à présent. Loupsé qui remet intelligemment de la tête. Attention, il y a Dekkers qui tire et qui marque. Eh oui, je l'ai vu, Loupsé qui a centré, reprise de volée de Dekkers qui marque 2-0. Là, c'est presque la Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA pour le SV Eindhoven. Je pense que nous allons revoir, oui, ce centre de Loupsé. Voici Loupsé qui, de la tête, remet en retrait pour Dekkers, qui d'un magnifique retourné, prend Pillard. 2 pour le PSV Eindhoven, 0 pour Bastia. Ça va être très dur maintenant. 2-0 pour le PSV Eindhoven. Je vous l'ai dit, tant que ce deuxième but n'était pas marqué, Bastia pouvait encore espérer, grâce à un but réussi, grâce à une égalisation, rapporter cette Coupe d'Europe. Alors que maintenant, les 25 000 supporters d'Eindhoven chantent, ils sont contents, ils sentent bien que leur équipe tient le bon bout. Les Bastiais vont-ils réussir à égaliser? Ce sera difficile, mais enfin, il faut toujours espérer. Car il reste maintenant 25 minutes, même pas 24 minutes à jouer. 2-0 sur terrain adverse. C'est vraiment un handicap très dur à remonter. Et on ne voit pas, si les Bastiais ne changent pas leur façon de jouer, comment ils pourraient y arriver. Oui, en effet, là, on a un doute. Parce que vraiment, sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il paraît difficile de remonter deux buts d'écart. Un but, vous me direz, ça peut se faire. Alors que Dekkers, encore lui ici. Ah oui, il avait battu Charles Orlandocci, mais qui s'est bien repris et qui a pu donner sur IA. Un but, ça relance toujours un peu le match, mais cela n'est peut-être qu'illusoire. Primo, Larios. Voilà, là, on est passé entre deux. Ça fait utiliser le ballon par Van der Kulen. Et la Cuesta de loin a pu sauver en donnant à Yard. On cherche encore Crimo là-bas, battu régulièrement de la tête par Brandt. Brandt, le stopper qui est pratiquement imbattable dans le jeu de tête. René Van de Kerkhoff qui cherche et trouve Fortnite. Il va pouvoir centrer. Oh, attention! Oh, le poteau! Le poteau sur le côté de Martinez qui reprend et qui marque! Troisième but pour Eindhoven. Le poteau vers le premier, le premier tir de Van der Kulen. Reprise du même et but. 3-0. Autant dire que la cause est pratiquement entendue. Alors que Yann là-bas est blessé dans les buts. 3-0 pour Eindhoven sur son terrain. Un but de Van der Kulen. Je n'ose parler de Berezina, bien entendu, mais je crois que ce sont le titre que vont adopter les journaux néerlandais si Bastia ne se reprend pas. Alors vous l'avez dit, ce n'est pas le Bastia qu'on a connu en Coupe d'Europe cette saison. C'est assez surprenant d'ailleurs de la part de cette équipe. Bastia n'avait pas connu vraiment de moments difficiles dans cette Coupe d'Europe. Il a fallu que le passage à vide se situe le jour de la finale. Et c'est bien dommage. Guédon
De Zerbi, rentré le malheureux dans de bien mauvaises conditions. Au moment où l'équipe était menée à la marque et dominée. Pour Viette, moins pour Dekkers. Charles Olanducci l'avait devancé, Johnny Rep. Ah non, privé du ballon par Willy van de Kerkhove. Il y a un temps de retard dans le jeu de Bastiais. Dekkers pour Willy van de Kerkhove. Calarios devant lui qui profite d'un temps favorable. Attention à Van der Kulen. Van der Kulen cherche son pied gauche. Et Larios a pu repartir. Rep pour la Cuesta. Il y a la balle Crémo et De Zerbi. Tentative de 1-2 entre les deux hommes et la balle de Crémo est trop appuyée. Et la Cuesta est obligée de la chercher très loin. À la lutte avec René van de Kerkhove. L'arbitre a joué. L'avantage d'ailleurs. Larios du pied droit pour la tête de Crémo, c'est la tête de Brands. Ça c'est un scénario que l'on connaît bien. Et encore une mésentente. Papi la Cuesta. Coup franc contre Bastia sur René van de Kerkhove. Que va jouer Krieg. À moins que ce ne soit à Brands, et en réalité c'est Willy van de Kerkhove. Voilà, longue transversale en touche pour Bastia. Présent par De Zerbi. Alors que Van Krijt est venu se faire soigner, il espace un instant sur le bord de la touche. Grimo. Larios. Papi. Larios, allez, pour l'honneur peut-être. Grimo. Bonne balle de Grimo. Que n'a-t-il utilisé Johnny Rep. Papi. Pour personne. Ah, il est très malheureux, Papi, aujourd'hui. Il a fallu que Kaz vienne à la rescousse. Orlanducci. Papi bloqué par Willy van de Kerkhove. Voilà, qui a tout son temps pour donner à Van de Veren et qui se permet même une fantaisie. Pourquoi pas. Le score le permet. Et le temps qu'il reste aussi. Encore 20 minutes à jouer. 3-0 pour le PSV Eindhoven face à Bastia. But marqué par Willy van de Kerkhove en première mi-temps et dans la deuxième période par Dekkers. Et Van der Kulen, 3-0, sauf miracle, Bastia ne gagnera pas la Coupe d'Europe. C'est la quatrième équipe française qui perdra en finale. C'est à la quatrième occasion, la troisième équipe française bien sûr, puisque Reims a perdu deux fois en finale et Saint-Étienne une fois. Mais les Bastiais vont peut-être, je n'aime pas trop cette expression, sauver l'honneur, car ce n'est pas déshonorant de perdre par 3-0. Vont tout au moins essayer de marquer un but à l'extérieur, car jusqu'à présent, vous le savez, ils en ont toujours réussi deux. Et aujourd'hui, ça ne veut pas sourire, alors que De Zerbi là-bas, sur son aile gauche, est aux prises avec trois joueurs, qui n'a personne en soutien. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait personne en soutien. Il a quand même réussi à centrer face à trois Néerlandais, et personne n'est venu le soutenir, il n'avait pas d'appui. Alors évidemment, là, les Néerlandais continuent à attaquer, c'est l'euphorie dans le stade. Les spectateurs ont chanté, maintenant ils sont un petit peu calmés, ils se réservent sans doute pour la remise de la Coupe. Mais un match de football n'est jamais fini, bien sûr, on a vu d'autres remonter, mais ce sera très dur, surtout que Bastia ne joue pas bien. De Zerbi toujours tout seul avec deux adversaires. La Cuesta. Papi, la Cuesta. La Cuesta pour qui? Et non. Il n'a pas réussi à trouver un partenaire démarqué. Il s'est fait prendre la balle. À 4 contre 3 pour les Néerlandais avec Van der Kulen. L'auteur du tir sur le poteau de la belle reprise pour Loupsé. Alors qu'il avait complètement seul à sa gauche, Krieg, l'arrière, il ne l'a pas vu. Il a préféré donner au centre. Et croyez-moi, une fois de plus, c'était une action très dangereuse des Néerlandais. Larios pour Johnny Rep. Une des déceptions de cette rencontre, Johnny. Peut-être va-t-il se racheter. Là, oui, il peut tirer. Non, il donne la balle à l'adversaire. C'est incroyable, tout de même, ce manque de réussite ou cette maladresse des Bastiais. Voilà, Johnny Rep qui a voulu mettre la balle sur son pied droit. Et je crois que les Bastiais sont pris régulièrement. Ils ont un temps de retard sur le jeu. C'est manifeste, autant individuellement que collectivement. D'ailleurs, cela se sent. C'est l'exemple même de Johnny Rep qui prend tout son temps pour mettre la balle sur son pied droit. Effectivement, il y avait quelqu'un. On pouvait s'en douter. De Zerbi, qui lui a toujours obtenu quelque chose. Il a obtenu un corner, une touche. Chaque fois qu'il a eu une touche de balle, il a centré. Papi.
à l'angle de la surface, à soulever pour Jenirep qui lui redonne. Et oui, mais Van Kraaij était là, acrobatiquement, centre de Papy. Personne. Si, Stevens. De Zerbi pour la Cuesta. Ah non, on veut passer vraiment un petit jeu comme ça, c'est pas possible. Il y avait 5 Néerlandais, toujours bien regroupés en défense, qui n'ont jamais laissé de faille. Bourdelit, Van Kraaij. Voilà, c'était Popovic qui va pouvoir centrer, qui parvient. Et dégagement acrobatique de Marchioni. Caz, Grimo, Rep. Claude Papy là-bas, tout seul. Centre pour Caz, qui a pu contrôler. Et privé du ballon par Willy Van de Kerkhoff. On repart. Là, il y a un mur, c'est un véritable mur, la défense d'Endoven. Très athlétique. Soudé devant leur ligne, René Van de Kerkhoff. A combiné avec Dekkers, René Van de Kerkhoff, attention, René Van de Kerkhoff. Et rate son centre, centre en retrait qu'il préparait. Pour Van der Kulen déjà à l'affût. Et son pied gauche meurtrier, puisque vous avez ce but de tout à l'heure. Il tira une fois sur la barre. Sur le montant plutôt, et la deuxième fois à l'intérieur de la cage. Quoi qu'il va y avoir un remplacement de gardien de but. Oui, j'ai l'impression que Pierre Cahuzac veut faire plaisir à Marc Veller et va le faire entrer. Marc Veller à la place de Huillard. C'est une façon et un beau geste d'ailleurs de Pierre Cahuzac qui remercie ainsi son gardien. Celui qui fit la partie que l'on sait à Torino. Mackay Huillard peut avoir l'impression lui aussi d'être remercié, mais d'une autre façon. Je pense que de toute façon, les deux gardiens ont une part prépondérante dans les succès de Bastia dans cette Coupe UEFA. Il était normal qu'ils rentrent tous deux en jeu. Veller donc son premier dégagement. Julien Van de Kerkhoff qui va laisser ce ballon puisqu'il est basquier par Caz, par la Cuesta. Longue transversale, on se demande pour qui Claude Papy a eu du mal. Et bien entendu, la balle est perdue. Dekkers. Il n'y a personne à droite, on va passer par le centre, chercher Loupsé. Qui était hors jeu d'ailleurs. Mais l'arbitre a demandé de laisser jouer. Effectivement, le juge de touche l'avait signalé, l'arbitre n'en a pas tenu compte. Marchioni, Rep. Oh, la mauvaise passe de Rep. Oh là 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 là, Loupsé. Van der Kulen pour René Van de Kerkhoff. On cherche la Macri qui était montée. Orlanucci peut dégager, balle prolongée par Papy. Par la Cuesta, loin pour Jenirep. Qui rate l'interception de la tête. Il y a une sorte d'impossibilité dans l'équipe de Bastia. On sent que ça ne passe pas, que ça n'arrive pas. C'est le jour 100. Eh oui, mais je crois que... On dirait qu'un jour peut-être de demi-finale, c'est aussi grave parce qu'il ne serait pas arrivé là. Oui, je crois que tout de même, il ne faudra pas accabler cette équipe de Bastia. C'est le faire 3-0 ou même davantage. Pourquoi pas, il reste maintenant un peu moins d'une demi-heure à jouer. Car c'est un exploit d'arriver en finale. Exploit qu'ont déjà accompli Saint-Etienne et Reims à deux reprises. Mais... Bastia aussi va échouer, car 3-0, cela ne se remonte pas à l'extérieur en un peu moins d'un quart d'heure. Et c'est d'ailleurs toujours, ce sont d'ailleurs toujours les Néerlandais qui sont les plus dangereux, alors qu'on attend depuis le début ces buts que Bastia avait pourtant l'habitude, l'heureuse habitude de marquer à l'extérieur, deux au minimum. Mais aujourd'hui, Bastia n'arrive pas à passer. Vous voyez, Dezerbi maintenant, qui est à l'aile droite. Alors qu'il était en position d'ailier gauche, d'ailleurs un ailier gauche de métier, si je puis dire, pour un si jeune joueur. Caz. On cherche la faille, mais on joue vraiment à deux à l'heure. Vous voyez, la Cuesta, qui est obligé de revenir en retrait pour trouver un partenaire démarqué, c'est Larios. Personne ne bouge dans l'attaque bastiaise, si ce n'est Dezerbi, toujours lui, qui cherche son pied gauche pour centrer.
pour la tête de Johnny Rep, qui a sauté, mais j'allais dire ce n'était pas assez haut, mais c'était difficile. Papi, Crimo. Ah, les Corses font enfin le pressing. On revient vers Orlanducci. Tous les, pas les 22 joueurs, 21 en fait, gardien de but dans ces buts, sont dans la moitié de terrain des Néerlandais. Pied en l'air de Larios, l'arbitre fait signe de continuer car il y avait avantage pour les Néerlandais. C'est maintenant un peu une démonstration de football, mais c'est facile de jouer quand on mène 3-0 sur son terrain. Orlanducci. Allez, il cherchait un 1-2 avec Rimo qui ne lui a pas donné la balle, a préféré trouver deux herbis pour Larios. Orlanducci. Johnny Rep, oui. Ah, j'ai dit oui, je croyais qu'il y avait but, un tir terrible, mais au-dessus. Meilleure occasion bastiaise de cette partie pour l'instant, ce tir de Rep au-dessus. Et a remarqué que tous les ballons de Deserbi ont été efficaces. Eh oui. Tout ce qu'a fait Deserbi. Nous revoyons l'action et le tir de Johnny Rep, Bambé Veren était encore très bien placé. Et Deserbi avait centré pour la tête de Rep juste dans l'action précédente. Il a le ballon collé au pied de Deserbi. Alors que le Britannique Daisy va lui aussi avoir eu l'honneur de jouer la finale. Il remplace le libéraux Vancré. Vous voyez, le riche vert, lui aussi, veut faire participer à cette finale. Je pense qu'il effectuera sans doute un autre changement. Vancré, je crois que c'est Vancré qui est sorti et qui a été remplacé par Daisy. C'est un Britannique. C'est rare que les joueurs britanniques s'expatrient. Daisy va participer à la finale. Il pourra dire, j'y étais, je l'ai remporté cette coupe de l'UEFA. Car maintenant, alors que nous jouons la 35e minute de jeu, on voit mal comment en 10 minutes les Bastiais pourraient arriver à combler ce handicap de 3 buts. Même vous, Pierre Carrejoli, vous n'y croyez pas. C'est difficile, effectivement, il faudrait croire au miracle, mais pourquoi ne pas y croire jusqu'au bout? Et tout au moins, il faut en faire semblant. Papi ici. Crimo. Marchioni très avancé. Trouvé deux herbis. Deserbi qui croyait obtenir un corner. Et non, l'arbitre lui inflige une petite déception. Fortvliet. Van Beveren. Qui a passé une soirée tranquille. Si on lui avait dit, il ne l'aurait pas cru. Craig. René Van de Kerkhoff. Reprise avec Kaz. Et continue René Van de Kerkhoff. Merveilleux joueur ce René Van de Kerkhoff. Regardez, regardez, il va réussir à centrer. Et il est arrivé à centrer. Décide de précipiter. Il était monté. Le rentrant, l'anglais Dessy. Il y a eu le travail qu'a fait René Van de Kerkhoff partant du centre. Loupsé. Tir contré par Marchioni. Corner. Ça, le travail qu'aura fait René Van de Kerkhoff est absolument admirable. Il est de partout. Il n'attend même pas que le milieu de terrain lui fournisse des ballons. C'est lui qui va les chercher. C'est lui en définitive le véritable organisateur maintenant de cette équipe. Case. Ouf, pour Veller. Larios. Papi. Guédon. Et porte vite. Voilà, maintenant les Hollandais font courir le ballon. Les Bastiais, bien entendu, et ça se conçoit, ont quelque peu mal aux jambes. Tir contré de Dekkers. Crimo est venu récupérer ce ballon qu'il a glissé à Larios. Rep, cette fois-ci il est passé, Johnny. Et il passe encore, Johnny, en grandes enjambées. Non, a voulu donner à Crimo sur sa gauche. Peut-être aurait-il mieux fait de poursuivre tout seul l'action. Il y avait Crimo et Deserbi tout seul. Van der Kuylen. Ah, belle fin de Dessy. L'arbitre a joué, non. Il avait sifflé la faute d'Orlanducci. Non, pas du tout. Difficile, il y a des sifflets dans le public qu'on confond avec ceux de l'arbitre. Comme Dessy est un Britannique, il avait arbitré la Britannique. Voilà, le roublin. Laissez l'avantage.
Orlanducci. Contrôle raté à des mots entre Orlanducci et Dessy. Attention à Dekkers. Alors que Pontvli était venu ici en position d'avançante, Dessy réclame ce ballon. Et Van der Kulen le convoitait. En réalité, il est pour Veller. Minute de la rencontre, donc encore presque la 32e, encore 6 minutes, et PSV Eindhoven mène toujours par 3-0 face à Bastia en finale. Le match retour, certes, mais au match aller il y avait 0-0, dont nous n'avons pas tenu compte depuis le début de la rencontre. 3 buts d'avance donc pour les Néerlandais qui sont bien partis pour succéder à la Juventus de Turin qui avait conquis cette coupe l'an dernier. Alors qu'évidemment, on garde la balle, on se fait applaudir par le public, on fait des petits gris-gris. Les Néerlandais qui ont quand même tort de charrier un adversaire valeureux. Loupsé qui a pris en défense la place de Van Crey alors que Dessy est en attaque hors-jeu. Deux joueurs hors-jeu, notamment Krieg, l'arrière-gauche. Et Dessy qui est un poison, Dessy qui est frais bien entendu, il vient d'entrer en jeu. Il joue un peu le rôle qu'a joué dans l'équipe de Bastia de Zerbi, c'est-à-dire que chaque action... Allez, joli rêve tout seul. Peut-être le but de Bastier que l'on attend depuis maintenant bien longtemps pour Papy, Claude Papy qui réussit à... Non, fauchage, pénalty, non. L'arbitre fait signe de continuer, pourtant Papy avait été fauché, enfin. Disons que en tombant, il avait heurté les jambes de son adversaire. Van der Kulen, ça repart pour Bastia par Caz. Qui se promenait comme ça au milieu du terrain. Le jeu est un peu décousu maintenant, De Zerbi. 1-2 avec Rimo. Et oui, Stevens pour son gardien de but, Van Beveren. 5 minutes à jouer, toujours 3-0. Alors que un des deux, Van de Kerkhove, ce sont deux jumeaux. On a quelquefois du mal à les distinguer, bien entendu, Willy et René. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote, en championnat néerlandais, chaque fois que Willy reçoit un avertissement, il est compté au passif de René, et vice-versa. C'est ce que m'ont dit les journalistes néerlandais. Vous voyez, on joue tout doucement. On se contente de ce succès par 3-0. On donne la balle à Dessy, l'homme frais. Bien en l'air, mais oui. Bien en l'air de Larios sur Dessy. C'est un coup franc. Fait signe l'arbitre roumain, M. Reinea. Alors que le public insatiable réclame un quatrième but. Coup franc qui va être tiré par Van der Kulen. Très grand match, il a marqué le troisième but, il a organisé cette équipe. Oh, c'est bien joué pour Dekkers, très dangereux. Veller est sorti, dégagement de Guédon de la tête de la Cuesta. Eh bien, j'ai bien cru que le quatrième but néerlandais était acquis ou presque. Alors que Papy maintenant essaie de contre-attaquer. On essaye de marquer un but pour Johnny Rep. Le blond maintenant c'est Johnny Rep puisque Mario, qui lui ressemble un peu, est sorti. La Cuesta. La Cuesta pour Papy. Il a presque toujours marqué un but en Coupe d'Europe. Papy a bonne position de tirer au-dessus, décidément Pierre Cangioni. Bastia n'arrivera pas à marquer, alors qu'il reste maintenant un peu plus de 3 minutes de jeu. Un geste familier de Claude Papy, cette reprise instantanée qu'il a souvent comme ça à demi-volée, mais cette fois-ci ce n'est pas dans le cadre, c'est à l'image de cette partie, c'est à l'image de la prestation du Bastia d'aujourd'hui. Et voilà, 3 minutes. 3 minutes officiellement en tout cas, sans compter les arrêts de jeu, mais il n'y en a eu pratiquement pas. Uniquement cette fois-ci pour sauver l'honneur. Krieg pour Dessy qui se remet beaucoup depuis qu'il est rentré. Dessy qui est un joueur qui joue beaucoup d'écoute, qui est très physique et qui a quelques années avec le défenseur Bastier. Brands, Loupsé. Long centre sûrement de Loupsé pour Veller qui a raté cette interception devant Pontvliet. C'était une occasion pour l'équipe d'Eindhoven, forte déjà d'un capital de 3 buts. Claude Papy, Guédon, voilà, qui a laissé passer la Cuesta, Larios. De Zerbi à gauche, oui. Il était tout seul. De Zerbi à la lutte avec Stevens. Passe De Zerbi. Il passe De Zerbi et tire. Ouf!
Belle occasion. Voilà, et Stevens va pratiquement le féliciter. Il sait que ce joueur est jeune, qu'il a affaire à un junior et qui a bien tenté, là, qui a fait une action personnelle et qui a tenté. Un tir qui n'est pas passé loin, Van Beveren l'a regardé. Pas très sûr de sa trajectoire. Van Beveren maintenant qui se permet de traverser la surface. Voilà, on joue calmement avec Willy Van de Kerkhoff. Le public commence à quitter le stade en chantant bien entendu. Ce qui est tout à fait normal. Même s'il n'est pas très expansif ce public. Il s'est quand même apprécié une victoire en finale de la Coupe UEFA. Caz de Zerbi qui redonne à Caz la Cuesta. Et il reste une minute de jeu. Une minute de jeu ici à Eindhoven. La Cuesta, Larios, la Cuesta, Orlanducci. Tout ça pour la forme. Voilà Larios qui a laissé cette balle à la Cuesta, un peu dépité. Brands. Très bon élément ce Brands. Lopsé. Van der Pielen, attention. Van der Pielen qui tire. Et Van der Pielen. Alors que Van der Et que Van der Pielen a blessé. Non, il me paraît lui toucher au poignet, mais ce n'est pas terminé. Très belle phase de jeu dans la dernière minute. Primo. Et l'arbitre siffle. C'est la victoire